Oh, j'ai une pêche, j'ai une pêche. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Alex et Fab sur manancy.com. Manancy, Manancy, Manancy. Vous avez fait caca. Vous avez fait caca. Salut Fab. Bah écoute, très bien et toi? Comment vas-tu? Salut Alec, tu es de toute beauté aujourd'hui, hein. Tu respires la joie de vivre. Merci Fab, j'aimerais bien pouvoir te retourner le compliment. Alex, tu penses qu'on peut changer nos voix? Je ne sais pas, pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Bah j'en sais rien, je me fais chier. Ah bah ok, alors comment procède-t-on? Alors attends, j'ai qu'à te tenir ici. Et toi là. Et maintenant? Bah tiens. Salut Fab. Salut Alex. Oh, ça fait bizarre, on dirait que ton corps m'habite. Ouais, je m'appelle Fab et je suis un con. Et regardez, c'est moi Alex et j'ai une voix de pédé. Et regardez, moi c'est Fab et je suis un con. Bon Alex, t'as fait quoi ce week-end? Bah j'ai vu mes parents, c'était affreux. Bah pourquoi? Bah parce qu'ils ont cette façon de te demander si ça va, qui énerve, tu vois. Attends, on va reprendre nos voix normales là parce que j'en ai marre d'avoir cette voix efféminée là. Mais j'ai pas une voix efféminée. Mise en situation. Alors Alex, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein. Papa, c'est ma joue là. Ah, dis donc, chérie, tu es sûr que tu manges bien chez toi? Tu as l'air palichon. Non, c'est bon, je me fais des salades tous les jours. Ah bon? On dirait que tu fais la tête. Non, je vous assure, ça va très bien. T'es sûr? Tu as l'air de mauvaise humeur. Ah non, écoute, je suis bien en ce moment. Tu es énervé. Si, tu es énervé. Maman, je te dis que je vais très bien à la fin. Ça te fait pas plaisir de nous voir, c'est ça? Bon, écoute, maman, je t'assure, tout va, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on mange? Dis donc, tu vas parler à ta mère sur un autre ton, oui? Pour être un peu plus reconnaissant de tout ce qu'on fait pour toi. Oui. Non, et arrête de faire la gueule, veux-tu? Ah ouais, ils sont un peu relous quand même. Dis donc, tu parles autrement de mes parents? Mais tu sais Alex, ce ne sont pas tes parents. Quoi? Non, ce ne sont pas tes parents qui sont les seuls à faire ce genre de réflexion. Alex, je vais te donner 3 conseils pour te sortir de ce genre de situation. Premièrement Alex, il faut que tu entres dans leur jeu. Un peu de comédie ne peut pas faire de mal. Alors invente-toi une situation désespérée, ce qui va totalement les déconcerter et les faire changer de sujet. Oh, toi t'as pas l'air en forme. Ah non, ça va pas trop maman. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer des testicules. Et je pourrai jamais avoir d'enfant. Tu veux un peu plus de pommes de terre? Elles sont excellentes. Deuxièmement, Alex, si ces personnes te font une réflexion désagréable, n'hésite pas à leur en faire une, toi aussi. Encore plus désagréable. Ça va, chérie? Ta mauvaise mine. Et toi, t'as vu ta gueule? Eh, pas! Pas vrai que maman, elle a une sale gueule! Et voilà, Alex, c'est terminé. J'espère que ça te sera utile pour la prochaine fois. Merci, Fab, je pense que ça va me servir, oui. Eh, mais tu m'as donné que 2 conseils. Salut, Alex, à la semaine prochaine. Ah, sacré Fab! Alors, comment on fait pour mettre la musique de fin? C'est ce bouton. Ah non. Non plus. Et Fab, comment tu mets la musique de fin? Who do you think you are kidding, Mr. Hitler? If you think we're on the run. We are the boys who will stop your little game. We are the boys.